aujourd'hui, le FC YouTube va affronter une équipe de grands-parents dans un match de foot légendaire. Après avoir perdu contre le RC Savas, les joueurs de 12 ans du Paris FC et contre le pire club de France, est-ce que l'équipe va enfin obtenir sa première victoire? Bref, c'est le retour du FC YouTube. Et bonjour à tous, c'est Boss qui se passe. On est évidemment avec l'équipe Fred, Michou, Guillaume, Pierre, Dylan et Ben. Ça va les gars, vous êtes chauds ou pas là? Ouais, on se rend disponible. J'ai une question, ouais. on fait genre que tout va bien ou on peut montrer qu'on a froid? On peut montrer très clairement qu'on a froid. Aujourd'hui on va affronter une équipe de fous, ça va être une équipe de retraités, des grands-parents on va dire. Donc vous savez, on essaie d'affronter des adversaires un peu différents. On avait fait les très jeunes, là on fait les plus vieux on va dire. Et on va peut-être quand même se faire fumer, ça c'est le... C'est probable ouais. Le point commun à tous les matchs. Non, frérot, je reviens du 11 All-Star, j'ai appris stratégiquement, on va faire une compo tout ensemble. Rien à la compo, rien à la compo. Qu'est-ce que tu veux faire comme compo? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, tes conseils là, c'est quoi? Tu veux des conseils maintenant? Non, je les donnerai dans le vestiaire là, j'ai trop froid. Okay. Bon les gars, vous connaissez déjà évidemment le concept, on fait un match en 2 fois 30 minutes. Évidemment, à la fin de la vidéo aussi, il y a la fameuse séance de penalty. La dernière fois, on était en fou rire sur le tir de Pierre. Et évidemment, je précise encore une fois, même si vous aimez pas le foot, vous pouvez totalement regarder la vidéo et kiffer. C'est plutôt à ceux qui aiment le foot qu'il faut faire un message. Les arbitres s'échauffent mieux que nous, regarde, ils sont plus rapides. Allez les gars, vrai échauffement, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, demi-tour. Non mais faut courir un peu, après t'inquiète. Mais Michou il veut qu'on fasse du sport, il casse les couilles en vrai. Oh vous savez, c'est la première fois qu'on fait ça en 4 matchs quand même, hein. C'est une dinguerie. Hein. Merci de nous accueillir avec une galerie aussi importante. On n'a pas l'habitude de jouer devant autant de monde, mais sur un terrain aussi nickel. Je veux pas perdre aujourd'hui. Oh, non mais là j'ai pas vu. Barane et contrôle. Ouais ça peut faire quoi. Je compte passer une bonne matinée et puis une bonne petite journée quand même. Et je suis très content d'être là. J'ai Et pendant cette ambiance incroyable avec le public, je vous rappelle bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, on approche du 1 000 000 d'abonnés. C'est mon big rêve de gosse et c'est grâce à vous. Donc vraiment, merci beaucoup à tous les abonnés. Ça fait trop trop plaisir. Les gars, ok, quatrième match. À chaque fois, on se prend 6 buts, 4 buts, etc. Venons, on arrête là. On peut faire 10, hein. On peut faire 10 aujourd'hui, les gars. C'est une époque révolue. Cette fois-ci, on gagne, les gars, ok. Je suis très sérieux là. Alors, comment on fait? Juste pour savoir. Alors, compo, j'ai pensé, toi, tu peux être en cage, à mon avis. Après, je pense qu'on va partir sur la classique qui nous a fait perdre 3 fois. Je pense qu'on va rester pareil. Moi, je peux aller à la volée. Ok, très bien. Ça. D'habitude c'était quoi déjà? C'était Guillaume défenseur centre ou gauche? Défenseur, oh, comme je peux quoi. J'ai jamais eu un coach qui dit on s'était dit quoi déjà? C'était gauche ou droite? Christophe dans les buts, Sergio dans l'axe, Marco à côté, Lilio va voir Michel. On propose la solution, on peut pas. Bon, Pierre au centre, toi à gauche. Attends, c'était qui défenseur droit entre vous deux? On n'avait pas de défenseur latéraux, non? Si, c'était moi. Après, je pensais à bah, du coup Michou, Dylan au milieu. Toi à gauche, ouais. T'avais fait ça en plus, il veut nos stars. Ouais, exactement, frérot. Dylan un peu à droite, et puis moi, classique buteur, j'en ai eu 3 buts. Buteur, on a combien de buts à ton actif? Bah, je sais pas, j'ai pas compté. Et c'est tout? Bah, je pense, hein. Sergio, il va avoir un rôle un peu peut-être plus offensif de temps en temps. On se fait plaisir. Non, les gars, par contre, pour de vrai, j'ai envie que sur ce match, on le gagne et on mette minimum 3 buts. En fait. Ah oui, attends, c'est déjà énorme. Et alors, l'équipe d'en face, je sais pas trop comment ils s'organisent. En fait, le problème, c'est qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, quoi. Ils s'entraînent 2 fois par semaine, mais ils connaissent pas Nino. Et le truc aussi, je pense, un truc qui nous arrive trop souvent, c'est qu'on se crame trop vite pendant les matchs. Ah oui, et du coup, on s'est entraîné depuis. Non, mais les gars, j'avoue que j'ai appris un vrai truc pendant le 11 All-Star parce qu'on avait un vrai coach. Désolé, hein. Ça fait plaisir, merci Michou. Ça sert à rien de chacun courir à droite à gauche pour essayer d'avoir le ballon. Faut vraiment que quelqu'un et son joueur. Je crois qu'on le fait pas, ça, de courir pour avoir le ballon depuis le début. On le fait, mais à notre niveau, t'as vu. Du coup, faut que chacun garde son joueur. Nous, en milieu, faut vraiment qu'on redescende dès qu'on perd la balle. Et dès qu'on récupère le ballon, on s'écarte le plus possible. Et comme ça crée des trous sur le terrain. Les buts sont plus grands. Ceux qui auront l'opportunité, c'est de tirer, n'hésitez pas. Et puis, pas de pression particulière. Eh bon match hein. Et bah let's go. Les gars, le cri de guerre. FC YouTube, on va s'en prendre combien? 6 ou 7. 6 ou 7. Et bonjour à tous, bonjour à tous les amoureux du football, évidemment. Bonjour Lucas, et merci d'être avec moi aujourd'hui pour commenter un grand moment de sport. On espère un grand moment de football, et justement, je vous propose qu'on lance ça. Ah, le FC YouTube qui rentre sur le terrain avec le capitaine. Le capitaine, bien sûr, Lucas Studio, qui espère qu'il a annoncé avant le match sur Instagram, et espérer marquer un triplé. C'est beau de rêver en tout cas, pourquoi pas, sachant qu'il a actuellement un seul but en 3 matchs sur un penalty en plus injuste. Bref, beau palmarès. Ils sont concentrés, j'ai l'impression. Ils sont très concentrés, ils évoluent en noir le FC YouTube. Ils évoluent pas.
Ils n'évoluent pas du tout. Ils jouent en noir, mais ils n'évoluent pas. Ils jouent en noir, une couleur qui rappelle le deuil hein, des trois matchs perdus, évidemment. C'est un très bel hommage qu'ils c'est font. C'est un hommage à eux-mêmes, c'est fou. Quel est le parcours des adversaires, Lucas, vous qui connaissez le club adverse? C'est un club qui joue régulièrement au football? Alors, c'est un club qui joue comme un vrai club de football, c'est-à-dire des matchs quasiment tous les week-ends, des entraînements toutes les semaines et surtout une très belle moyenne d'âge. On reviendra évidemment sur tous les joueurs. Et ce qui réchauffe évidemment le cœur des joueurs, c'est ce public qui est présent, bien sûr. Des centaines de gens, environ 400 personnes dans le public d'après les estimations. 400 personnes qui n'aiment donc pas le football et qui ont fait le déplacement, ça fait plaisir. J'aime juste avoir froid. Oh là là, ça va commencer. Le numéro 7, c'est Vasco. Vasco, 54 ans, c'est le plus jeune de l'équipe. C'est un petit bambin quoi, un petit débutant, le match qui commence, on est à la 3ème seconde, je rappelle, on est bientôt à la 7ème seconde, ça y est, oh c'est là fait là, Lucas. C'est beau ce qui se passe, ouais. Et pour l'instant, la possession clairement du côté du Verrier en brillé, Dylan qui récupère le ballon. Dylan qui récupère le ballon, passe pour Michou. Ferrière en brillé, attention, c'est Michou, Michou qui relance à Lucas, Michou qui cherche Lucas, Lucas qui pour l'instant ne trouve pas l'opportunité, ça pose... les bases. Oh là, c'est crossbar, touche de balle pour Michou. Récupération pour Lucas. Verica qui va tenter un tir, un premier tir. Sur le centre, oh là. Attention, j'ai l'impression que... Ils ont cadré un tir. Ils ont cadré un tir. Alors, involontaire, il me semble. Je pense que c'était un centre, malheureusement, qui a été cadré. Ça correspond un peu plus au niveau. Et l'action a été bien lancée de la part de Croche. J'ai l'impression que ça a été pas mal lancé de la part de Croche, en tout peut-être cas. Peut-être son match, attention. Attention, c'est Guillaume au tir. Oh là, le but de Benjamin Verica sur une tête ratée de Dylan. Il y a quand même quelque chose. C'est un but très FC United. Mais attendez, 1:20 de jeu et déjà un but, ça c'est pas possible. Ça reste très FC YouTube. Je n'ose pas y croire, regardez. Ah ouais, regardez, même la célébration, on sent qu'ils n'ont pas l'habitude du but. Ils peuvent se faire mal. Attention sur la célébration. Mais attendez, c'est fou ce qui se passe. Ah là là, c'est beau en tout cas. Ils ont mis deux buts en trois matchs. Ils vont voir leur public. Et alors, pour 1:20 de match, il y a quasiment 1:20 de célébration, et ça, c'est beau. Attention à pas se cramer sur la célébration également. Ils balancent des baba bang, baba bang. Et d'ailleurs, les joueurs qui ne sont clairement pas habitués à ça, peut-être qu'ils vont être très déstabilisés. À mon avis, ils vont devoir un petit peu s'adapter au statut de gagnant actuel. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé en trois matchs, jamais ils n'ont dominé. Est-ce que c'est un coup de chance, Lucas? Est-ce que c'est une attaque qui a été posée selon vous? Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement, cette espèce de fin de tête de Dylan? Ça n'a pas pu être travaillé à l'entraînement vu qu'il n'y a pas l'entraînement en fait. Donc, et il n'y a pas de travail, ouais, à mon avis, c'est de la chance. Voilà, Verica qui demande qui fait un appel, en tout cas qui demande une course en profondeur, mais évidemment, il n'y aura pas de course ni de profondeur. Lucas qui avait pour Michou qui remet pour Lucas, et pourquoi pas, attention au centre, pourquoi pas le tir? Le tir, la bête! Monsieur dame. Non. Oh Lucas, très belle course appliquée, il lève la tête au bon moment. Oh là là, petit filet gauche, c'est pas possible. Il trompe le gardien, Christophe, 59 ans, je rappelle quand même. Bien sûr, alors que Lucas a 23 ans, attention à ça. Mais quel but, c'est incroyable ce qui se passe. Quelle joie pour le Lucas. Il célèbre avec son équipe, évidemment, Croche qui frappe à le déplacement, c'est beaucoup de cardio pour une célébration. Ça, si, il arrive quand même. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec ce fameux Lucas, il m'a dit que c'était un rêve de gosse clairement pour lui de marquer. Et la premier but, attendez, 2-0 en moins de 3 minutes de jeu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire pour l'instant. 2-0, alors bien sûr, seulement 3 minutes de jeu, tout est possible également. À l'inverse, ils peuvent clairement se faire remonter, évidemment. Attention à ça, on les connaît là-dessus, le FC YouTube. Attention, Dylan qui se relance bien avec Lucas justement, qui va tenter certainement. Oui, un bon raté. Ouais, franchement, j'ai vu un super passement de jambe. Là, voilà, Dylan qui récupère pour Lucas, qui la remet pour Dylan, qui est l'offensive. Dylan qui prend le temps de contrôler, qui lance Michou. Attention, Michou à la limite du hors-jeu, mais c'est bien rattrapé de la part de Marc, 60 ans. Attention, Michou qui redonne avec Benjamin. J'ai l'impression que les deux se sont bien trouvés. Michou peut-être pour Benjamin. Non, Michou qui tente. Michou, oui. Ouais, Michou, oui. Eh ben, qui fait la panne et qui en plus de ça est hors-jeu. Il a tout faux. C'est FC YouTube-esque ce qui vient de se passer. Quel geste défensif de Benjamin Verica, malheureusement, dans le camp de l'adversaire. Marque pour Sergio. Sergio qui tente une attaque tout seul, non, ça sera trop court. Récupération de balle de Dylan pour Lucas, attention. Ouais, Lucas qui était par jeu. Tiens, tu vas la mettre, non. Le tir, le but. Oh, le but. C'est incroyable. Le doublé, est-ce que ça a été le meilleur jeu? Non, c'est bon. C'est incroyable, doublé pour Lucas et 3-0 en 5 minutes de jeu, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais c'est fou ce qui se passe, doublé déjà pour Lucas en 5 minutes. Ouais. Mais 3-0, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'accuse le FC YouTube de dopage. En tout cas, la relance pour l'instant, rien n'est fait évidemment dans ce match. Et pour l'instant, ça nous promet en tout cas un très beau match avec beaucoup de buts à mon avis. Allez, Ferrière en brique qui va se relancer peut-être avec Sergio qui passe à Marc, 60 ans. Sergio, je rappelle, qui a 59 ans aussi. Qui a un très bel âge, hein, qui a connu Michel Drucker à 25 ans, ce qu'on n'a pas fait Michou et Lucas par exemple. Ouais, allez, Vasco qui communique avec son équipe, Vasco qui parle bien.
sais qu'il parle très très bien. Alors il a une éloquence mais incroyable. Est-ce que du coup c'est un vaste communicant? Ouh, c'est très sympa ça. Je vais garder ça. Allez, le numéro 6. Et oui, le centre, oh là là, la chute. Est-ce que ça va être un penalty? Il y a trois arbitres, je vous rappelle. Cross assassin, tu sors. Pas moi. Pardon. Okay. C'est pas cross. Oui, c'est pas cross. Allez, Verica qui relance Michou. Michou qui trouvera pas la distance. C'est Sergio qui récupère. Attention, Michou qui se veut agressif. Mais c'est pour le gardien. Dylan qui récupère. Dylan qui le centre. Pour Michou, pourquoi pas. Michou peut-être la reprise de volée. Michou qui la remet pour Lucas. Lucas qui a tiré. Oh là là. Quel arrêt de Christophe, 59 ans, je le rappelle. C'est vraiment, c'est pas le nom de famille, on dit le prénom et l'orage. Ah d'accord, je croyais, parce que j'ai ma note avec marqué Christophe 59 ans. Moi, non, c'est son âge, c'est pas le nom de famille. Et en tout cas, un corner qui peut être très dangereux pour l'FC YouTube, c'est Lucas qui va le tirer avec une très belle chaise à côté. Ouais. On reconnaît le modèle Ikea en tout cas. Le centre, pourquoi pas. Il vient tirer, attention Dylan, ouais, c'est très FC YouTube ça, très FC YouTube ce move. Attention, Cross qui va même pas aller chercher la balle, c'est fou. La seule chose qu'il a fait, il le fait pas. Allez, Vasco. Contre-attaque. Vasco qui va remettre en retrait. Oui, pourquoi pas, il construit avec Sergio. En l'occurrence, il va mettre en retraite. Oh, ça c'est très beau aussi. Là, si, je t'en veux pas. Non, mais heureusement. Vasco qui va tenter. Attends, c'est Cross qui défend. Accélère, mon gars. C'est Varane. Quelle défense de Cross. Non, peut pas, c'est Pierre quoi. Ouais. Allez, il est bien tiré, Et heureusement, ce sera sans danger. Il prend pas à distance. Et Dylan qui contre, attention, la balle pour Michou en profondeur. La balle pour Michou. Et dribble, le goal, il va le faire. C'est incroyable, 4-0 pour l'FC YouTube en moins de 10 minutes de jeu. Incroyable. Oh là là, mais c'est incroyable ce qui se passe, mais c'est fou. Attendez, mais 4-0, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un multiverse. Scientifiquement, c'est impossible, c'est la limite de la légalité même. La relance de Verica. Oh là, il va chercher Dylan en profondeur. Il trouve la bonne distance, il trouve la très belle passe pour Dylan. Dylan qui tente, dommage, il aurait dû. Ah, il a été un peu gourmand, je crois qu'il a été un peu gourmand. Bah, c'est vrai que le moelleux au chocolat avant le match, c'était pas une très bonne idée. Ouais, avec le maillot qui est moulant en fait. En plus, oh là là, quelle erreur, Dylan. Et regardez le public qui a fait une banderole FC YouTube, c'est très touchant. Et c'est peut-être ça qui a motivé les joueurs. Lucas, vous qui avez l'habitude des matchs sous haute pression. Bien sûr. Est-ce que le public aide dans ces cas-là? Bien sûr, le public ça galvanise en fait. Dès que t'as un coup de moins bien, t'entends ton nom qui est scandé ou alors à la limite hué. Ça dépend des matchs. Oh, Cross qui tente une attaque! Ouais, vous me laissez pas finir. Ouais, non, mais c'est pas intéressant puisqu'il y a l'attaque de Cross qui a été très très décomptée. Attention, il revient en défense. Cross, c'est là, il est agressif en défense. C'est son match, c'est un albatros. Dédicace à Baudelaire d'ailleurs qui a écrit l'albatros, qui est un super poème. Et attention au second poteau. Lucas qui distribue bien peut-être. Non, pour l'instant, il la garde. Allez, il a distribué. Oh, la balle pour Dylan. Ouais, Dylan. Pourquoi pas, il l'a remis pour Lucas. Tu vas éliminer le passement de jambes, tentative de dribble, l'a remis pour Dylan, c'est beau. Le tir et ça passe au-dessus. Ça aurait pu être un but excellent. Il y avait du Neymar dans ce qu'a fait Lucas en tout cas. Non, il n'y en a pas, ok, j'ai cru en voir, mais non. Pour moi. Michel, la patte gauche de Michel, oui, très belle transversale. Belle patte gauche, attention, c'est Verica qui récupère. Verica qui, à chaque fois qu'il a la balle, fait des sortes d'appels tout seul. Mais pour l'instant, il élimine, passement de jambe, il remet pour Dylan, oui, très très profond. Il élimine du gras parce qu'il court, hein. C'est tout ce qu'il élimine. Attention. La reprise de volée, oh là là, quel arrêt du gardien. Et quelle reprise de volée, il y a du pavard chez ce joueur. J'utilise le terme. Oh messieurs, dames, ça aurait pu être la meilleure action de ces 4 matchs du FC YouTube. Je m'identifie beaucoup à ce joueur-là, ce Lucas. Si, c'est dommage de pas avoir de replay sur des actions qui sont pas... On mettra en tout cas un replay au montage. Regardez le replay parce que c'est excellent. Dans la foulée, pas de rebond. Et belle parade du gardien, faut le préciser. Alors qu'est-ce qui se passe du côté du FC YouTube? On n'a jamais vu ça. Ils sont arrivés avec des nouvelles intentions. En tout cas, des nouvelles chaussures. En tout cas, c'est peut-être ça qui fait la différence également. On rappelle que pour l'instant, Lucas a sûrement très mal aux pieds vu que c'est une nouvelle chaussure un peu petite. Allez, Fred qui gagne bien 8-9 mètres hein, sur sa remise en jeu de 6 mètres. Quelle fraude en tout cas, on rappelle. Hein. Dès qu'on peut tricher, le FC YouTube s'en occupe. Et au cross, la relance, oh c'est chandelle. Il les aime, c'est chandelle. En tout cas, le terrain est magnifique. Le terrain est magnifique, Lucas, on peut en parler parce que ça n'a pas été tout le temps le cas, le FC YouTube. Ah, la blessure, attention, très agressif, ouais, il se remet tout de suite debout, il fait ici son adversaire, bravo. Ça c'est beau, c'est ce qu'on aime aussi. C'est Gérard qui centre. Oh là là, Patrick. Oh là là, il les aime, ces ballons. Et l'accélération de Cross, la seule accélération de Cross, c'est en dehors du terrain. Quel palmarès. Le centre, ça va chercher la reprise de volée. Elle a but. Oh, quel but. Oh, quel but de Sergio. Oh, Sergio, le ciseau. C'est exceptionnel ce qui se passe, c'est exceptionnel. Regardez-moi ce centre, Sergio, la qualité. Oh, Sergio, le ciseau, Sergio, 59 ans. Et regardez ce qu'il nous propose à 59 ans. Oh là là, c'est incroyable. Et Fred s'est littéralement troué sur ce but.
4-1, tout est relancé, tout est possible dans ce match. On va vivre un moment historique. C'est un moment historique qu'on vit en tout cas. Regardez les joueurs de FC YouTube qui se félicitent du but de Sergio. C'est avant tout ça qu'on aime, c'est avant tout du fair play. Lucas qui aime taper dans la main de Sergio. Ouais, ouais, c'est beau, c'est presque un traître, attention. C'est un des plus beaux buts de cette série de vidéos, Lucas, si je peux me permettre. C'est clairement pour l'instant même le plus beau, je pense. La relance pour l'engagement, attention, peut-être un coup dur pour la FC YouTube, peut-être le début de la chute. Hein. On va voir ça. Michou qui se relance bien, oui, qui passe Marc sans grande difficulté. Attention, Lucas pour Michou encore une fois qui ne trouve pas la distance, mais c'est Dylan qui va récupérer. Dylan qui a essayé d'éliminer, malheureusement c'est pas réussi. Oh, Verica la frappe. Verica pour un tir direct, mais... Une frappe qui sort en touche, bienvenue pour le FC YouTube en tout cas dans ce match. C'est un classique du FC YouTube. Oh là là, attention la récupération. Ça peut être dangereux, non? Oui, Lucas qui récupère la balle et qui va tenter en profondeur. Pourquoi pas de lancer quelqu'un? Non, il va tout seul. Si, il lance Dylan. Il lance Dylan en profondeur. Dylan qui a tenté son tir. Et quel but! Et quel but! 5-1 pour le FC YouTube en 21 minutes de jeu sur cette élimination de Dylan. C'est beau ce qui se passe. La l'entente entre les deux est excellente aujourd'hui. Regardez la passe de Lucas pour Dylan. Dylan qui va la mettre dans le coin opposé, qui a pas tremblé. Ils sont ce qu'on appelle des bros, comme on dit. Effectivement, si on regarde la définition stricto sensus, bro signifie bien sûr qu'on peut être comme frère alors qu'on n'est pas du même sang. Frère. Et j'ai l'impression que c'est le sentiment qu'on retrouve ici. Sergio qui relance à Vasco. Allez, il se trouve bien. C'est un beau duo d'attaquants, je trouve. Ils sont également bros, je crois. Hein. Ouais, c'est bro, c'est aussi des bros. Après, c'est plus âgé, hein, c'est des arrières grands bros. Oh, Dylan, Michou qui récupère la balle, qui va seul face au gardien, c'est pas possible. Allez, c'est incroyable ce qui se passe, qui va le mettre, ce qui va le mettre, Michou, la frappe, et ça, oh là là. Fond du filet, doublé, Michou. Le doublé du Mich, c'est incroyable ce qui se passe, 22 minutes et 6-1. Attendez, attendez, Lucas, qui a mis des doublés? Pour l'instant, c'est Michou et Lucas sur un doublé, sur des très belles accélérations en tout cas. Et Dylan, non? Et Dylan, non, c'est un seul but, il me semble. Ouais, un seul but. Un seul but, cette frappe de Michou, 6-1. Elle est excellente. Il se retrouve encore seul. En tout cas, aussi, on rappelle cet accord entre le FC YouTube et la FIFA. En cas de victoire, le FC YouTube est automatiquement qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Il se retrouvera à côté d'autres nations comme le Brésil. Donc, c'est directement un pays. Ouais, directement. D'accord. Ils ont un pays, une capitale, etc. Enfin, bref, oh là là. Oh là là. Pendant que vous parlez, Sergio est efficace. Le doublé de Sergio. Sergio est efficace. 6-2, oh mais quelle intensité dans ce match, déjà 8 buts en 23 minutes, un ratio de 1 but toutes les 3 minutes, c'est fort ce qui se passe. Il y a un second poteau Sergio en tout cas, et évidemment la défense du FC YouTube inexistante, hein, c'est un classique aussi. Hein. La relance de Verica, Excellent. Il va chercher Lucas. Lucas qui devrait peut-être frapper direct, mais non, il va tenter plutôt un centre. Non, il la remet directement sur Michou, sa patte gauche, il la met pour Dylan. Dylan, est-ce qu'il va la réussir? Il va la mettre, le but! Le doublé de Dylan, c'est une leçon, c'est une leçon. 7-2. C'est pas possible, mais pincez-moi, je sais pas, frappez-moi au visage, agressez-moi, je rêve ou quoi? C'est une leçon. Bah là, ils trouvent enfin leur automatisme, Lucas, j'ai l'impression. Ils ont le temps de poser les attaques. Et on voit qu'ils ont quand même des belles choses, ils ont des belles jambes. Hein. Ils ont des très belles jambes, des très belles cuisses également, des très belles épaules pour ceux qui travaillent à la salle également. Et puis il y en a qui soignent un peu leur pilosité. Allez, la mauvaise passe pour Dylan. Dylan, quel grand pont. Oh, quel grand pont sur Michel. Oh, le grand pont. Dylan qui va chercher directement Michou. Lucas, non. Aïe, aïe, aïe. Michou qui va la récupérer. Le but. Oh, le triplé. Et le but, ça fait 8-2. 8-2 en 26 minutes, c'est exceptionnel. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Regardez. Et triplé de Michou, mais quel joueur. Ça aurait pu être à l'avantage de Lucas, mais c'est Michou qui en profite. La belle rondade. Il tombe derrière, c'est aussi l'aspect FC YouTube ça. Attention, il va y avoir un coup franc à proposer. Oh là là, qu'est-ce qu'il tente là? Ah, une nouvelle tentative, c'est travailler l'entraînement ça. Le muret est là. C'est le mur de Berlin qui nous propose ici, il est totalement effondré. Allez, ils posent le mur comme ils peuvent avec... Alors ça, c'est stratégiquement peut-être intéressant à voir la frappe, est-ce qu'elle va être contrée. Et là, oh attention quand même, la crosse. Allez, Philippe. Oh, quel but! Oh, quel but! Excellent! Oh, mais c'est fou ce qui se passe! Transversal, ça rebondit sur la tête de Fred et ça finit dans les filets! Ah ouais! Ah, il est super bien tiré! En tout cas, cette technique du FC YouTube qui n'a pas abouti, clairement, c'est de la merde, comme on dit dans le jargon du foot. Pour l'instant, les plus beaux buts, excusez-moi Lucas, mais les plus beaux buts sont à Ferrer-en-Brie. Ça, c'est très clair, on peut pas le nier ça en tout cas. 8-3, mais 3 magnifiques buts, c'est quoi? Il compte double, ça fait 8-6 en tout cas. Faut que je me renseigne avec l'arbitre, je crois que c'est pas possible. Ouais, même sur les sites de Paris et tout. Ouais. Bah, c'est un peu relou. Sachant qu'on rappelle quand même que la cote du FC YouTube avant le match était de 900 000. Donc vraiment, tu misais 2 euros, t'étais millionnaire s'il gagnait. Donc peut-être qu'on va rendre des gens millionnaires.
avec ce match. À voir évidemment. Viviane qui va chercher Lucas. Lucas, le lob. Et le lob et le but. Et le but. Quel geste. Hyper beau, c'est précis. Quel lob également. Quel lob d'oreille de Lucas qui est parfaitement bien nettoyé. On sent qu'il a pris une douche avant le match en tout cas. Bravo. Très beau lob. Et attendez, c'est le triplé pour le Lucas Studio. C'est le triplé aussi. Deux triplés déjà dans l'équipe. Il en rêvait, ça, oh là là, c'est fou ce qui se passe. 9 à 2 en première mi-temps, 11 buts en première mi-temps. 9 à 3, pardon. Tapez-moi, monsieur, tapez-moi. Non, mais 9-3 en fait, c'est par rapport au score, oui, c'est précis. 9-3, attention. C'est fou, on atteint le département, la Seine-Saint-Denis, avec le score du match, on ne pensait pas y arriver un jour. La relance de Fred, et c'est sifflé. C'est sifflé, fin de la première mi-temps, et fin pour l'instant, 9 à 3. Quel match pour l'instant. Et surtout, tout est possible pour la seconde mi-temps. On va voir justement comment réagit le FC YouTube devant. Ce score absolument improbable, on retrouve dans les vestiaires, c'est parti. Bon les gars, je comprends pas ce qui se passe. C'est ça le sentiment de victoire? Non les gars, je suis pas content du tout là. J'ai mis un triplé, ça va. Ça s'est amélioré la vidéo que j'ai vu là. La vitesse, hein, ça. Oui, ça a 25 ans, c'est dégueulasse. Après, par contre, attendez, déjà, c'est pas fini parce qu'on s'est déjà pris beaucoup plus de buts que ça en une mi-temps. Enfin, d'habitude, on prend plus de buts en deuxième mi-temps. Non, donc pour l'instant, je pense qu'on peut continuer comme ça. Pierre, il m'a dit, je vais aller reprendre pour marquer un but. Non, on tente, on improvise un peu comme on veut. On va voir, mais si tu tentes des accélérations, vas-y. Non, j'ai pas dit accélération, j'ai dit en attaque. Hein. Pas accélération. On joue contre des jeunes qui vont plus vite que nous. Marquez-les à la culotte, laissez pas de mettre d'avance. Il y a personne sur eux. Si vous les prenez à la culotte, ils vont quand même pas développer le jeu qu'ils développent. Je crois qu'en termes de cardio, ils sont meilleurs que nous. Ah oui, c'est sûr. Non, pour l'instant, on change rien, c'est cool. Et puis, on essaie de se faire plaisir avant tout, les gars. Non, c'est plaisir. Et puis, c'est en mettant des buts qu'on respecte l'adversaire. On n'oublie pas ça. Ouais, mais c'est bien ce que vous faites, les gars. Ils sont malins. Il faut courir le ballon 3 mètres devant eux. Ils s'attrapent de vitesse. Bon, les gars, on continue comme ça. Allez, let's go. Attention, et les gars, premier degré, on n'a pas encore gagné. On peut se prendre 6 buts là. Donc là, on lâche rien, les gars, on continue, let's go. Allez, let's go. Allez, let's go. Et début de la seconde mi-temps pour le FC YouTube qui lance l'engagement en tout cas. Ouais, ils arrivent avec des nouvelles intentions. Hein. Clairement, ils veulent tout simplement fracasser l'équipe adverse a priori et justement marquer le plus de buts possible. 12 buts en première mi-temps, tout est possible dans celle-là. Même une remontada de l'équipe Allez, adverse. Allez, Michou qui va peut-être directement aller chercher une première action. Michou, il frappe du droit et c'est bien stoppé par Christophe. Christophe qui relance pour le Ferrière-Ambry. Le Ferrière-Ambry qui est à l'attaque. Ils sont 3 cette fois à l'attaque. Avec petit changement d'ailleurs. Oh là, on a une course de Verica qui est parti loin. Parti ouais, je sais pas, il a bugué, ça lui arrive souvent. Alors pour l'instant, tous les joueurs du FC YouTube ont marqué, sauf Guillaume Santin et Pierre Cross. On verra évidemment, ce serait évidemment un rêve de gosse que toute l'équipe marque. Ça me paraît évidemment compliqué par rapport au fait qu'ils sont en défense. Et Dylan qui relance pour Michou. Michou pas de gauche pour Dylan, attention à ce qui se passe, Dylan, ils sont très clairement majoritaires. Ah, Michou qui reste pour Lucas, la frappe de Lucas et ça passe au-dessus. Ah bah ça fait deux lucarnes qu'il aurait pu mettre et ça aurait été extraordinaire. Elle était bien enroulée. Malheureusement beaucoup trop penché en arrière, Lucas, réveille-toi mon bonhomme. Hein. C'est pas comme ça que tu finiras au FC Barcelone. C'est déjà trop tard. Ah c'est déjà trop tard vous pensez? À 23 ans là? Trop tard. Ouais, je veux pas le décourager hein, mais c'est pas... Bah là j'ai marqué 3 buts, on sait jamais. Bon ok. Allez Vasco qui lance à Sergio justement. Ah les deux là, et ça fonctionne bien le duo. Ça construit bien, et ça construit même une très belle famille. On rappelle qu'ils ont des petits-enfants également. Oh, des petits-enfants chacun. Oh, Verica qui fait le petit pont. Oh, le petit pont de Verica. Le petit pont qui va essayer. Oh, il a raté là, il a oublié le ballon. Le petit pont sur Cross. Il a oublié le ballon, et Cross qui va récupérer. Cross, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il les aime ces ballons, mon Crossos. Et la perte de balle, aïe aïe aïe. Ah, la perte de conscience, hein, il est tombé aussi. Et pour l'instant, supériorité numérique du côté du Ferrière-Ambry. Ils peuvent le faire. Parce qu'il a cherché au centre, attention numéro 4. Encore, Sergio, encore. Il a remis. Oh là là, c'est beau ce qui se passe. Oh, Lucas qui la dégage. J'ai eu très très peur. Quel geste défensif de Lucas. Pas de but encore dans cette mi-temps. Non, c'est vrai qu'on commence à se faire chier. Fallait que c'est 6 mètres qu'il les fait de plus en plus loin. Très très loin, quel fraude. Ouais. C'est fraude Van Long. Ouh, merci. Intéressant ça. Oui, je vous en prie. Ah, la petite glissade. Très c'est YouTube et Cross qui récupère. Cross qui va éliminer, pourquoi pas. Cross. Quelle accélération, elle est pour Dylan. Quelle autorité. Dylan qui élimine également. Quelle autorité. Il y va, pourquoi pas tout seul. Cross qui est en retrait. La balle pour Cross. C'est mal trouvé. Il va tirer. Quelle frappe. C'est bien intercepté. Oh là là là. Lucas qui la récupère également. Qui va tenter une reprise. Aïe aïe aïe. Quel arrêt du gardien. Il y en a tout le temps. Et c'est une double parade pour l'équipe de Ferrière-Ambry. Oh, c'est beau. Ça construit bien. Il y a Patrick qui demande, Sergio qui va la mettre le but. C'est le triplé pour Sergio, c'est le triplé, c'est exceptionnel. Il ouvre la marque
de cette deuxième mi-temps. Premier but de la mi-temps. Et c'est pour l'équipe de Ferrari. Attention, est-ce que ça peut annoncer une remontade? Remontada, je crois. Remontade. Remontada, non? Avec un A, je crois, à la fin. Remontada. Remontada, je crois. Remontada. Non, je suis quasiment sûr. Remontada, en vrai. Je suis sûr, c'est bon. Allez, le FC YouTube, faut surtout pas abandonner maintenant. Bon, c'est déjà assez con, vu qu'il gagne, en tout cas. Oh, attention, croche de pas perdre la balle sur ça. Quand on est en défense, il faut savoir la garder. Parce que là, ça met en danger toute l'équipe. Pour Sergio à nouveau, Sergio. La frappe, le but. Le but, encore un but de Sergio. Mais qu'est-ce qui se passe? Quadruplé de Sergio. C'est exceptionnel. 9-5, oh là là. Cette fin de match va être exceptionnelle. 9-5, une remontée. Une grosse erreur de cross pour moi. On doit pas faire ça à ce niveau. Allez, la relance, le FC YouTube, il faut se réveiller. Le FC YouTube qui retombe dans ses vieux démons. Le football, malheureusement. Ouais. Oh Michou, oui c'est bien éliminé, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute là-dessus. Michou qui va seul au but, il va tirer la frappe du gauche et l'arrêt. Oh là là, mais quel arrêt Christophe. Merci d'exister Christophe, non mais merci. J'appellerai mon enfant Christophe, tiens, c'est bon, c'est décidé, c'est maintenant, c'est acté. C'est beau Christophe. Le corner, on sait qu'il les gère très très mal ces corners là, petit YouTube, regardez-moi ça là. Oh là là, c'est quand même bien tiré, c'est quand même bien. Oh là là. Oh là là. 3 ans de prison avec sursis, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, quand qu'il donne l'attaque. Quand qu'il donne l'attaque. La frappe, oh là là. Il a failli marquer son but, il a failli l'avoir. Oh Dylan, ouais, du nom bonhomme là. Ouais, c'est maîtrisé, attention, Lucas. Lucas du côté droit. Il déborde, pourquoi pas Lucas, il va enchaîner. La frappe de Lucas, le but. Le quadruplé. Oh le quadruplé. Le quadruplé de Lucas, oh là là. Quelle course, et il va taper. Oh, c'est bien. Ça c'est des images qu'on veut pas voir. Attention. Ça c'est des images qu'on veut pas voir. Et attention aussi au poteau de corner qui est sûrement revenu dans les couilles. Ah. Donc il y aura sûrement pas d'enfant qui s'appellera Christophe a priori. À ce mauvais geste. Mais c'est mérité parce qu'on n'agresse pas les poteaux de carrière comme ça, les pauvres. On n'agresse pas les poteaux tout court d'ailleurs. Nos potes sont toujours là pour nous, ok? Bien sûr. Et ça fait 10 à 5. 10 à 5 actuellement. Voilà. C'est parfait encore. Pour moi, c'est parfait. C'est clairement pas fait. Il reste 18 minutes. Et encore beaucoup de belles choses à venir. Beaucoup de belles choses à venir également sur la chaîne de Lucas Studio. On rappelle, abonnez-vous. Hein. Ouais. Abonnez-vous, activez la cloche sur cette chaîne. Il faut activer cette cloche. Il faut l'activer, dis donc. Vérica, très très serein dans cette prise de balle. Personne qui l'attaque. Personne qui attaque Vérica, elle est tout seul. Tout seul pour faire cette touche. En plus, à la main. Allez, Vérica. Oh là là, il est à l'aise, il est à l'aise. Il maîtrise, ça, c'est son élément, ça. Oh là là, quel contrôle de Lucas. Quel contrôle, mais c'est du caviar. Il avait pour Michou directement. Allez, faut que ça aille au bout pour que ce soit beau, c'est dommage. Je crois qu'il y a hors-jeu, mais quel... Aïe, 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 c'est dommage parce que... L'action était magnifique, elle aurait pu être dans toutes les compiles Lucas Studio. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'ailleurs de compiles de Lucas Studio. On peut mettre un petit ralenti là-dessus, on le met maintenant. On l'a pas directement devant nous, on vous met un petit ralenti, c'est cadeau. Ah ouais. Magnifique, il y a un petit zoom derrière, mais mon fils s'appellera Lucas. Sergio, ouais. Oh là là, Santin, il veut aussi son but, Santin, il le veut son but et il déborde. Putain. Le centre pour Lucas, le but. Ah. Le but, le cinquième. On est sur un quintuplé. Sur une passe décisive de Guillaume. Incroyable, extraordinaire. Lucas qui ne tremble pas. Il a magnifiquement ouvert son pied droit. Oh là là, 5 buts pour Lucas, mais c'est un rêve de gosse à mon avis. Je me permets d'utiliser ce terme là. C'est un rêve de gosse, regardez ce but là. Petit filet, imparable pour Christophe. Lucas qui va également récupérer la balle. Petit geste, oh petit geste, c'est beau ce qui se passe. Il élimine directement Michel, oh là là. Aïe aïe, dommage, le 1-2 qui n'a pas fonctionné. Ça relance directement. Et non, c'est Vérica qui va récupérer, bravo. Bravo Vérica pour la carrière également sur YouTube, des très belles vidéos qu'il nous propose. Un peu plus de hors-jeu, faut évoluer. Égal, en fait. Ça serait... La chute de Vérica, excusez-moi, la chute de Vérica. Qui a la chute de Vérica? Ah, y a, on n'aime pas voir ça sur un terrain de foot. Ça, il a dû faire mal, ça va être 3 ou 4 mois d'hospitalisation, la nouvelle vient de tomber. Ah non, c'est bon, il s'est relevé. C'est 3 à 4 secondes de remise en forme. D'hospitalisation, ouais. Allez, et Sergio qui la remet pour Vasco, numéro 7, la frappe et Guillaume. Guillaume s'est fait mal. Faut pas rire de ça. Faut pas. 3 ou 4 ans d'hospitalisation, ouais. Faut pas rire de ça. Non, c'est pas bien. C'est 3 ou 4 ans d'hospitalisation. Ne rigolons pas de ça. Il va rater ses rêves. Et la relance de Guillaume Santin qui va mieux, heureusement. Je n'aurais pas rigolé sinon. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas rigolé de ça d'ailleurs. On a eu des nouvelles. Oh la retournée. Oh le but. Non, c'est pas possible. Le but, mais quel but. Et Sergio pour le quintuplé. Quintuplé de Sergio. Sergio, mais regardez comme il est beau le geste. Mais c'est exceptionnel. Retourné et Fred qui se trouve littéralement. Ah ouais, là c'est troué, là c'est transparent, là c'est Casper là. Ah, c'est coup dur. Ah ouais. Attendez, c'est exceptionnel. Sergio, 59 ans, qui marque un quintuplé. Avec un retourné et un ciseau. Oh, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un génie de football, franchement. Il y aura un avant et un après Sergio. Franchement, pour moi, Sergio, c'est un jeune espoir.
Ah, c'est un très jeune espoir du football à suivre dans les prochaines années. Si le FC Barcelone le recrute en moins de 13, il peut être excellent. Imbattable. Oh, l'info qui vient de tomber, Lucas, après le match, qui va certainement claquer un énorme McDo avec un super 280. Des frites, un petit wrap sauce moutarde. L'info est confirmée, ouais, l'info est confirmée. C'est sources sûres, les sources proches des joueurs qui nous le disent. La relance en profondeur pour Vasco. Vasco, pourquoi pas au centre. Et cross qui... Oh, quelle défense. Il est placé en fait. Ah, il appelle son public. Et il tape dans la main de l'arbitre. Quelle complicité entre les deux. Presque suspect d'ailleurs. Verica qui récupère la balle. Verica qui va chercher directement Dylan, il les aime ses ballons extérieurs. Pourquoi pas, il va tirer. Non, il la met en retrait pour Lucas et c'est bien dégagé. Bien dégagé par Ferrier-Ambry. C'est une super défense très dure, c'est Ferrier-Ambry. C'est beau, c'est magnifique. Magnifique, c'est beau. Et la balle en profondeur pour Kroos. Cross pas de hors-jeu. Est-ce qu'il va la mettre le tir? Le but. Oh, le but de Kroos. C'est incroyable. Oh, le but de Cerro. Il est décisif ce but. Pas de hors-jeu a priori. Cette frappe du droit directement. C'est ce but qui fait que l'équipe passe devant. Non, c'est largement. C'est décisif ce but. Il était déjà devant avant. Et en tout cas, cette célébration. Attention à pas se blesser pendant cette célébration là. Je vois que ça saute. L'équipe hyper heureuse. Oh, Kroos, c'est sûrement un rêve de gosse pour lui. Un but de Guillaume Santin, ce serait exceptionnel. Oh, Vasco. Ça va centrer, Serge. Ouh, le centre. Et Sergio encore. Sergio, c'est... Non, c'est son sixième. Ah, c'est sixième but. C'est incroyable, Sergio, en tête pouvante. Il a déroulé. Il a déroulé un festival, Sergio. Il reste 4 minutes de jeu. Guillaume qui est passé en attaque. C'est pas si large. Oh, ils vont tenter une combinaison. Je pense que FC YouTube veut que Guillaume marque. Et Lucas qui va. Oh là, quelle paire de balles. Très rapide. Oh, ça joue vite. Oh, ça joue vite pour Sergio à nouveau, non. Sergio, le septième but. C'est exceptionnel. Septuplé. J'ai pas préparé ça, évidemment. Je pense pas qu'il y avait un septuplé dans ce match. Sergio, c'est exceptionnel. Incroyable. Sergio, officiellement candidat au présidentiel 2027, tu as ce septuplé. Tout est à refaire, Lucas. 4 buts en 3 minutes, c'est largement possible. Attention à cette fin de match. Oh, ce serait fou. Ce serait fou, imaginez une remontée du Ferrier-Ambry, imaginez des prolongations, imaginez des tirs au but, ça imaginez tout. Une remontade. Non, remontada toujours. Remontada. Lucas qui la remet, faut rester sérieux. Et Guillaume, faut rester concentré. Quelle offensive de Guillaume qui a cherché son pote Mich comme il l'appelle. Non, il va dribbler. Il va dribbler la frappe de Guillaume et le but. Oh, le but. Ah, il s'est fait tout seul. Il a besoin de personne. Il s'est fait tout seul, il a un background. Et regardez-moi cette célébration. Finalement, il se trompait, le public c'est de l'autre côté. Du coup, il va courir de l'autre côté pour aller chercher le public. Oh là là, toute l'équipe a marqué. C'est... Oh, j'ai envie d'en chialer. J'ai les larmes aux yeux, les émotions. Oh, c'est beau. Le poulet me fait pleurer tellement il est bon. C'est exceptionnel. Oh là là, quel but et quelle joie. Toute l'équipe a marqué, c'est du jamais vu. Au début du match, rappelez-vous, il ne pensait même pas marquer un seul but. Ah, mais non, il partait limite pessimiste. Croyez en vos rêves, ils finiront par se réaliser. Pas toujours, en vrai pas toujours, qu'on soit clair et honnête. Hein. Ah, ça dépend des rêves en fait. Attendez, je m'en remets pas. Toute l'équipe qui marque, c'est émouvant, vous savez. Bah, ça fait 4 matchs qu'on commente ensemble et puis à chaque fois ils perdaient. Et là, de voir ça, et voir le sourire, tout simplement, le sourire sur le visage. Mais c'est... Oh là, c'est exceptionnel ce qui se passe. Et pourquoi pas Patrick, la frappe du droit de Patrick. On est dans le temps additionnel du match. Et Kroos qui relance. Il relance le ballon pour Dylan. Il lâche rien. C'est du 3 contre 2, élimination de Dylan. Et Lucas qui va la récupérer, pourquoi pas Lucas. Cette fois il tremble le sixième but, Lucas qui va lever son maillot, finalement non évidemment. Ton corps est trop lâche pour ça Lucas. Sixième but, sextuplé pour ce joueur. C'est émouvant. Le sixième but de Lucas, il voulait marquer un triplé, il en met deux, mais quel joueur. Alors je connais pas exactement son agenda, mais si un club de foot veut le recruter, il est disponible totalement. Toute la saison prochaine, donc vraiment n'hésitez pas évidemment sur mon Insta et en description. Cette balle est Dylan qui la récupère, Dylan, il sera tout droit. Pourquoi pas le dernier but? C'est le but. Poteau rentrant, c'est exceptionnel. Oh, il est propre, il s'était douché juste avant le match. Il est propre, Dylan. Ils sentaient très bon en tout cas. On a eu des remontées là-dessus. Très très bonne odeur de Dylan. Voilà, oh, regardez-moi ça, le pied ouvert. Poteau rentrant, c'est imparable et ça fait. Là, rendez-vous compte. 15 buts pour le FC YouTube, mais c'est un rêve qui se passe, c'est un vrai rêve, c'est pas possible. Qui se concrétise, qui se réalise. C'est le multiverse, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. 15 buts en 60 minutes, un but toutes les 4 minutes, et ben Verica qui tente!
Verka qui tente, est-ce que c'est signalé comme une faute, comme une main ? Oh, c'est but ? Non, c'est... Non, je crois qu'il y a erreur de remise en jeu. Il y a malheureusement, je crois, une légère main, peut-être qu'on la verra avec la VAR. Très dur à voir sinon, cette main. Ah, c'est confirmé avec la VAR. Effectivement, très très légère cette main. Allez, remise en jeu. Allez. Il reste moins d'une minute, mais encore tout est possible. 7 buts à remonter, pourquoi pas ? On est dans les arrêts de jeu. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Victoire. On l'attendait parce qu'on ne célèbre jamais avant la fin d'un match. Tout peut encore se passer, mais là, c'est extraordinaire. Quelle émotion, quel match légendaire. Ça restera dans la légende du football. Et bien justement, maintenant, on vous laisse quand même avec la séance de tir au but. Il faut, c'est la tradition. C'est la tradition. Est-ce qu'ils vont aussi gagner ça, le FC YouTube serait incroyable pour finir cette série. Place au tir au but, c'est parti. C'est l'heure des pénaltys, c'est beau ce qui se passe. On a gagné le match, mais la dernière fois on avait perdu les pénaltys. Faut les gagner cette fois-ci, ok. On veut gagner les deux. Oh, ça serait beau. Ce serait beau. Là, ce serait vraiment la consécration ultime. Qui commence, Dylan, tu commences? Allez, let's go. Allez, c'est parti, Dylan, tu commences. Allez, Dylan. Dylan. Allez, là, les gars. Les gars, dernière fois on a perdu, on a eu des fous rires. Allez. Là, on veut gagner. Allez, Boubou. Allez, Dylan. Oui. Et... Non. T'as Christophe est chaud. Attends, je pense qu'il compte pas ce péno là. Il a pas 65 ans. À vérifier quand même. Oh là 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 là. Tellement heureux. Il s'élève mieux que nous. Il compte vraiment pour vous ou c'est vous oui, tirez oui. Non, non, là, les... Ah, il joue vraiment pour vous. Ah, oui. Oh non, oh, non Guillaume. Oh non, les gars. Guillaume, c'est terrible. Les gars, on va perdre le péno. Les gars, on tombe dans nos vieux démons, là. Ça recommence comme avant, c'est terrible. Allez, Fred. Fred, faut l'arrêter, celle-là, sinon on est dans la merde. Allez, Fred, s'il te plaît. Ouais. Allez, c'est pas fini, les quelle gars. Intuition. Quelle intuition, les gardiens. Qui y va, les gars, qui y va? Ben, tu vas? Ah, c'est à moi. Ben, il nous a régalé plusieurs fois sur les pénaux. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Il est maîtrise, ceux-là. Oh là, il a plus les chaussettes. Tu vas voir, le gardien, il pense que du même côté. Vise à gauche. Oh. Tellement pas vrai. On a raté tous les pénaux. On a raté tout. Il est trop chaud. Oh Christophe. Mais il est trop bon. Oh, allez, il va nous le mettre, c'est sûr, il m'a plus qu'un de droite. Allez Fred, s'il te plaît. Allez Fred. Oh, il est bien tiré de fou. Il est tellement bien tiré. Mais c'est celui qui a mis le coup franc en même temps. On pouvait rien faire. Déjà Michou. Allez Michou. Oh la pression. Allez Michou. Oh la pression. Les gars, on va perdre sur les pénaux, c'est terrible. Tu me fais pas peur Christophe. Allez Michou. Régale nous s'il te plaît. Régale nous. Let's go! Oh la chance de fou! Oh le penalty le plus bizarre! J'ai pas compris ce qui s'est passé! Il était incroyable! Allez Fred! Aïe aïe aïe, ils sont trop forts! J'y vais? Allez, tire! Oh putain, la dernière fois c'était fou rire! Attends, tu tires en manteau? Bon, il s'en fout, je crois! Let's go! Frérot, j'ai l'impression que c'est l'entraîneur! Main dans les poches, tu s'en bats les couilles! Non, on a rien à foutre! Encore! Oh oui, il y va comme ça! Il y va comme ça! Oh oui! Attends, mais c'était le meilleur tir de toutes nos frappes! Hein. C'est Mario à chaque fois qu'il marque! C'est tiré et célébré en même temps. Oh l'escroc. Oh non, allez Fred. Non. Oh c'est trop dommage. Il reste que moi là. Non mais là il y a combien là les gars? Moi j'ai compté 4-2 pour eux. Il y a encore 2 tireurs chacun. Allez Fred. Allez Fred. Allez Fred. Allez Fred, mets nous une patate de l'espace. Il est là ton but Fred. Oh oui. Oh il est terrible. Oh non il est terrible. Il est tellement dégoûté le pauvre. Il a oh non son seul tir du match. Oh il s'en veut tellement. Mon péno il sert à rien, j'ai le seum. Mais ouais. Mais oui, on a perdu. Let's go. Allez Fred. Allez. Allez Fred. Ouais. Ok ok. Allez Lucas. Les gars je le mets pour bien finir là. Faut encourager notre capitaine. Oh bordel. Ouais, là, ah, c'est carton plein pour Lucas. Bon les gars on a quand même perdu avec ça. Les gars je l'ai mis, on a quand même perdu, j'ai le seum. Meilleur buteur du match, toute équipe confondue. Oh merde, c'est le meilleur. Oui. On a quand même perdu, on a quand même perdu. C'est terrible. Ok, bravo à tous. Regarde comment ils sont humbles.
Ah, c'est incroyable, ils sont trop forts. Ils célèbrent même pas, frérot, ils sont trop humbles. Je suis fan d'eux, j'ai créé 8 contre fan d'eux. Bravo, bravo. Ah, bravo, vous êtes trop forts. Bravo. Bravo, bravo, incroyable. C'est beau ce qui se passe, c'est émouvant là. Les gars, c'est beau ce qui se passe alors. On a gagné le match pour la première fois, c'est un truc de fou. Let's go les gars. Magnifique. Légendaire hein. C'est incroyable, c'est pourquoi t'es torse nu, on peut le dire quand même. Ouais, non mais t'inquiète, je profite frérot, il fait bon là. Il a donné son maillot avant l'outro, il a trop froid là de fou. Frérot, je me suis trop chauffé, j'étais en mode let's go. Les gars, faudra quand même qu'on regarde la deuxième mi-temps parce qu'on s'est quand même pris des gros buts hein. Ouais. Il y a eu effondrement total. On a gagné mais faut pas faire les malins. Je crois qu'on a perdu la deuxième mi-temps. Ouais. Ça c'est possible et surtout on a perdu les pénaltys comme quoi nos vieux démons nous rattrapent toujours. On reste quand même mauvais quoi. En vrai les gars, je suis putain, on a gagné après 4 matchs, c'est un truc de fou, c'est beau ce qui se passe. Et gros respect à l'équipe d'en face parce que des gens comme ça, vraiment ils étaient vraiment cool. C'est mon objectif d'être comme ça plus tard. Hein. Ouais, moi j'aimerais bien une ville là sur la mer, mais chacun ses objectifs. Et sachant les gars que là, comme on a gagné, ça va être la fin de cette série là du FC YouTube. Oh non ! Oh non ! Oh non, fallait dire avant ça ! Ah là non ! Mais hey, dans ces cas là, j'aurais perdu frérot, bah oui ! Non, on peut être encore plus nul, Lucas, c'est le premier qu'on va être plus nul. En vrai, peut-être ça reviendra sous une autre forme avec, je sais pas, mais je pense la série comme ça, faut que ça arrête quand on a gagné, tu vois. Faut savoir s'arrêter. On s'arrête à notre prime, mais peut-être qu'on reviendra. Vous verrez ça. En tout cas, merci à tous. Hein. Franchement, les gars, c'est une belle aventure. Ah ouais, j'ai kiffé. Bravo, merci à toi, Lucas. Hein. Et les gars, en vrai, premier degré, c'est parti d'un match à Savas. À la base, je me suis dit, on fait ça pour le fun comme ça. Ça donnait vraiment une grosse série, une vraie série marquante sur ma chaîne. Merci vraiment, les gars, pour ça. C'était incroyable. Merci, Guillaume. Merci. Bon, vous connaissez tout le monde, tu vois. Vous connaissez vos prénoms. Merci, les gars. Évidemment, la chaîne de tout le monde en description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à jouer au foot parce que c'est quand même un super sport, on peut le dire. Bien sûr, et merci à toute l'équipe, Jordi qui était en speaker, toute l'équipe tech, tout le monde, toute la prod et tout. Et comme on a dit, merci vraiment à tout le public qui s'est déplacé, c'était incroyable, l'ambiance était folle. Merci évidemment à l'équipe adverse, bref, merci à tous, vive le foot et on reviendra peut-être plus fort que jamais. Non, que jamais. Bon, le FC YouTube reviendra peut-être, salut à tous.